Kimimakoso va annuler les autres pays ou comment? C'est la question qu'on est assise avec ça à présent. Mais je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Est-ce que ils vont remplacer, hein, remplacer, Seigneur, les Français m'attrapent encore. Ils vont remplacer la Burkina Faso par un autre pays. Là, ça devient qu'à eux-mêmes. Mais le live ici, c'est le peu de live qui était resté après le live de la prière. Donc, la causerie entre Kim et ses abonnés, ça a été trop beau. Et elle a donné des programmes. Elle va commencer où? Faut me demander où. Elle va commencer où? Dans quel pays? On va suivre ça tous ensemble. Hein? Êtes-vous prêts? Soyez prêts pour suivre le programme. Ça va se faire comment? Elle va commencer où? Et prochainement, ça sera où? Hein? Les Congolais, êtes-vous prêts pour Kim Makoso? Alors, on suit ce live ici. Mais comme toujours, on ne peut pas passer seulement au live sans vous saluer, vous qui êtes devant nous en ce moment, en train de nous suivre. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours et toujours, une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier les guetteurs, guetteurs, salutations à vous. Nouveau béni, salutations à vous. En tout cas, ne sortez pas sur YouTube avant de vous faire abonner chez Helios13 et de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager cette vidéo et de nous commenter nos vidéos très gentiment. Passez sur notre playlist, et comme on dit, passez sur notre playlist. Ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Helios13. Toujours commenter après avoir écouté les analyses d'Helios13, pas à partir des titres ou bien à partir de l'introduction. Comme ça, vous jumpez, vous allez commenter. Non, 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 non. C'est pas comme ça ici, car Helios13 ne prend pas part de personne. On ne prend part de personne ici. On n'insulte pas. Alors, vous serez mieux placé dès nous placer dans la société qui est Helios13. Alors, suivons cette vidéo. Voilà, c'est un choc en fait. Elle est venue me maquiller tellement je ne pouvais pas rester assise, donc on m'a allongée. Et puis elle me maquillait couchée comme ça. Elle dit, yi, oui, je vais voir un docteur. Je vais voir un docteur parce que bon, c'est un peu trop truc. Et puis la douleur change de position à chaque moment. Mais bon, ça va aller. Elle dit, yi, Seigneur, mon voyau. Eva. Eva, oh, Eva. Non, je vais pas mi Aïe, je vais pas minimiser. Voilà, même là, c'est-à-dire quand j'ai un petit truc et puis genre je viens expliquer à mes abonnés là, non, faut pas parler de ça, non, pourquoi? Aïe! Pourquoi genre je vais pas parler de ça, ça fait quoi? Quelqu'un genre va prendre ça pour faire truc. Yé, moi, je suis truc, hein, moi, j'ai pris. Hein. Hein, donc, moi, il n'ai pas peur de dire mes choses ici. Moi, j'ai pris. Donc, si c'est ce que j'ai dit, vous voulez prendre pour aller faire truc, on va se croiser dans le spirituel. Aïe! Il est mal, il dit, il est mal. Vous me dites truc. Sacha, quand elle a mal, là. Je prends un exemple. Ma grande soeur Sacha, là, sur son snap, quand elle a mal, elle est malade. Elle dit, je suis malade à tout le monde. Quand elle guérit, elle dit, je suis guérie. Pourquoi vous ne pouvez pas moyen parler? Aïe. Aïe. Et même quand il me voit, c'est truc. Et même quand il me voit, il peut m'approcher. Les sorciers, là. Non, ça va aller, ça va aller. Moi-même, j'ai minimisé ça et puis c'est devenu grave. Sinon, bon, allez voir. Et puis, bon, il y a un spray ici, là. Quand je vais mettre, ça va passer. Il ne sait même pas où j'ai jeté ça. Non. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Dans le cas contraire, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et tout, tout, tout. En tout cas, c'est ça même.
faut acheter Dinapé. J'ai pris un spray à Abidjan là-bas. Là. Il est très bon. Je ne sais pas en fait si j'ai laissé ça dans ma ville là-bas ou si je suis venue avec ici. Je vais chercher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On prie encore. Et on a déjà prié. C'est beau. Chier. Vas-y, toi. Non. Tata Désiré, le lundi, je vais en parler et tout. Le lundi, je vais en parler. Vous saurez tout le lundi et tout. Je vais parler le lundi. Je ferai un live pour parler et tout. On dit salut depuis le Bénin. Hé, hey, les Béninois, de vous répondre. Les Béninois, de vous parler, de vous répondre. Hein? Et il n'y a pas quelqu'un qui aime fatiguer le Bénin comme moi. Il n'y a même pas quelqu'un qui aime fatiguer les Béninois. S'il y a quelqu'un qui fatigue Béninois que moi, là, donnez-moi le nom de la personne. Il arrive bientôt chez vous là-bas. Oh. Vous allez me sentir. On fait palab, c'est-à-dire dans vendre des tickets là. De toute façon, on va faire palab dedans. J'espère que vous êtes en train de préparer votre argent hein, pour les tickets. Parce qu'après le 14 septembre là, ah, on commence avec le Bénédé. On commence, c'est-à-dire on va aller très fort dans la vente des. On dirait pas en fond. Aïe! Attendez d'abord, quand je vais commencer à vendre mes tickets du Bénin, là, c'est en fond que je vais parler. Ne vous inquiétez même pas, je vais faire une vidéo spéciale et parler en fond du début à la fin. Pour vous inviter. Aïe! Donc vous pensez que moi, je ne comprends pas, il ne sait pas parler quoi. Moi, il parle fond bien. Ne me négligez pas. Il parle en fond. Les Béninois savent. Il va faire une vidéo spéciale. Et puis, je vais m'adresser aux Béninois en fond. Ne vous inquiétez même pas pour ça, même. Aïe, si c'est en bambara, je chante. C'est-à-dire, je maîtrise les paroles. C'est pas... Aïe, fond, c'est petit. Fond, là, même, là, c'est rien pour moi. Aïe. À fond, Gandhi, là. Hein? À fond, Gandhi, à... Moi, c'est mi... truc... Pardonnez, attendez d'abord. Mi fond, Gandhi. Yé, pardonnez, oh. Faut pas les bénir, les bénir, non. Ceux-là, ils aiment fatiguer les gens dès qu'ils envoient les messages comme ça là. Mais je comprends un peu. Et puis il y a des Kimi, tu veux fuir le pays? En tout cas, aïe, fonce les petits devant moi. Il y a un là même on dit né à fond bon. Né à fond bon. Et puis, genre, tu réponds, on fond Gandhi. Vous pensez que vous maîtrisez que moi, quoi? Aïe! Ah, je vous dis toujours que moi, il y a un côté bénin. Vous pensez que tout. Ah, les Béninois, venons, on va parler un peu. Il est parti. Wolof. Nagadef, wow. Comment dire, je dis Wolof, là, vous comprenez un peu un temps, là. Je comprenais un peu un temps là, je parlais même un peu, mais bon. On y a salam alaikum,
Nagadef, Nangifi, Mangifi, De, yé, Denga, je sais pas, il y a un mot, dit, je sais pas bien prononcer, mon cher, c'est ça là. attendez d'abord, il y a fini d'apprendre, il y a fini de régler mes comptes avec les Béninois, et puis on va passer au Sénégal. Il y a vu même un live, je suis tombée sur un live où genre, il y a des Béninois qui tentent de me critiquer et tout. Vous les Béninois, vous me critiquez. Et puis dans le live, ils tentent de me critiquer en fond. Genre, qui me renvoie, qui me font ganja, me font gne gne gne. Ils tentent de parler là-bas. Ils disent, monsieur là, il pense que je ne comprends pas. Il a failli déposer un commentaire là-bas là. Il a failli déposer un commentaire en fond là-bas, mais il dit non, vous aurez vos réponses bientôt, les Béninois. On va s'affronter en fond ici. TikTok même va trembler ce jour-là. Et vous prenez, puis apprêtez-vous, hein, les Béninois. Il va faire un live spécial dans le live. Là. Si tu n'es pas Béninois, tu ne viens pas. Si tu n'es pas Béninois, là, tu ne rentres pas dans le live et tout sera en fond ce jour-là. Tout sera en fond ce jour-là. De la tête aux pieds, du début à la fin. Hein. En tout cas, ça a chauffé ici sur le méta. Maintenant, on finit avec les Béninois. Maintenant, il attaque maintenant avec le Sénégal. J'attaque maintenant avec le Sénégal. Wolof. Mais moi-même, je suis... Vous connaissez... Qui connaît Mam Diaye? Mam Diaye Savon, là. Hé, hey, Mam Diaye Savon, je suis toujours dans ses lives. Yeah, j'aime la dame, là. Elle me plaît comme ça. Mam Diaye Savon, non. Elle me plaît beaucoup. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup même. Je suis ses lives. Elle parle beaucoup, genre Wolof et tout, là. Il regarde et dit, quand il y a affairage comme ça là-bas, là, je suis connectée, je suis branchée là-bas en même temps. Tata Inès, je suis béninoise du côté de mon grand frère. Ah bon? Non, moi, mais je suis béninoise du côté de mon grand frère aussi. Donc voilà. Yi, Tata la douce, elle dit... Begega Kubari a fait. Ça, c'est quelle langue? C'est Wolof, non? Oui, c'est Wolof. C'est Wolof. Ça, c'est le Wolof, ça. Vous pensez que c'est le petit mot que vous avez dit là, vous pensez que ça. Il y a comment j'ai prononcé même le mot là, tchier. Parlez un peu, écrivez, mettez des phrases en Wolof, en fond. Je vais répondre. Coucou Tata Thames, j'espère que vous allez bien. Mettez un peu des mots, mettez des petits mots, je vais lire pour vous. Ah bon Tata Sira? D'accord, il n'y a pas de souci. Quand je vais finir, je vais vous lire. Écrivez, on dit Rafetengueto, hein? Torop Kimi. Nafete Nge Torop Kimi. Ah, ça, c'est Wolof. Waouh, j'ai compris ça. Ah, là, j'ai compris. Wadounou, là, ça, c'est quoi ça? Wadounou, là, tata. Wadounou, tada que tu as écrit là, ça là, je comprends pas. Hein. Ah, ça veut dire que je suis belle. Ah, merci. C'est bon, faut pas, un jus va sortir dedans. De toute façon, moi, je comprends pas là. Il y a certains mots que je comprends pas là, faut pas, ils vont. Ah, c'est enfant. Chi, c'est joli, oh. C'est chic, de. Mais d'ici le soir là même là, je vais commencer à contacter Tata Chanel. On va parler en fond et tout. C'est elle ma prof en fond. Oh hey.
Tata Chanel. C'est Tata Chanel qui m'apprend un peu le fond. Donc, si demain vous me voyez parler fond ici, là, ne soyez pas choqués. On dit Tata Chanel est bobo. Tata Chanel n'est pas bobo, hein? Tata Chanel. Tata Chanel n'est pas bobo. Attends. Hein? Mais c'est bien. Et puis aussi, non, lundi je vais vous parler de ça. Si c'est pas de ça maintenant là. Que des bonnes nouvelles. Donc voilà, prenez vos tickets, la famille, on se concentre sur les. Tata Happy, bon tata pour Tata Happiness, il sait pas trop. Tata Happiness, il sait pas trop. Tata Happiness, elle écrit, oh, elle écrit seulement. Pour Tata Happiness, il sait pas trop. Pour Tata Happiness, il sait pas trop. Il sait pas trop. En tout cas, on verra. Ah, un jour, elle va venir, elle va nous choquer ici sur la toile. Elle va faire live même. Elle va s'asseoir ici. Faire les affiches des autres pays. Oui, on est sur ça et tout. Et c'est vrai même, vous m'avez rappelé. Vous m'avez rappelé et tout. Tata Dame Dieu a dit elle est la présidente des bobos. Hey, Tata Happiness. Tata Happiness. Tata Happiness est star. Hey, Kimi pardon la Côte d'Ivoire. Hey, j'arrive en Côte d'Ivoire et tout. Mes frères ivoiriens. Hey. J'arrive en Côte d'Ivoire dans pas longtemps même. Je vais venir. C'est moi, mais je traîne. Oh. Et puis, bon, avec les événements et tout que je fais ces temps-ci, là, c'est ça qui fait. Mais je vais venir. Quand j'aurai tout fini, je vais venir en Côte d'Ivoire. Et tout. Moi, mais je vais organiser. Je vais faire un dîner. Un dîner avec... mes frères ivoiriens, je vais organiser un truc comme ça, un dîner, une fête. Genre, ce sera une fête comme ça, genre une rencontre, une fête, voilà. On va se rencontrer, on va parler, échanger, tout. Ça sera pas une vente, ça sera pas un truc, mais ça sera une soirée, genre, voilà. En tout cas, après le Bénin, je vais organiser ça. Et puis, voilà. Peut-être avant le Bénin ou après, je vais voir. Ça sera très intéressant. Très chic. Côte d'Ivoire seulement là. J'ai pas. Mon cœur va pas là-bas. Côte d'Ivoire seulement là, même c'est. Yeah, c'est mon terrain fatigué même. Nourriture, buffet à volonté. Buffet. Là-bas seulement là. Et ça sera chaud. Ça sera chaud. Merci Tata Happiness, Tata Big Way. Donc voilà, Côte d'Ivoire. Et puis la France aussi. La France seulement là. Il faut que j'organise un grand truc ici aussi. Un grand truc. Vraiment le Mali, le Sénégal là. Vous êtes prêts des... Non, vous êtes vraiment prêts même. C'est qui fait du bruit là-bas là? Vous êtes vraiment, vraiment prêts. Mais merci beaucoup, beaucoup pour tout l'amour. Je vois comment vous préparez les choses. Franchement, ça fait grave plaisir et tout. Ça fait trop, trop plaisir, vraiment. Même ceux même qui ne sont pas sénégalais, je vois comment chacun se donne. Je vois les questions. C'est-à-dire, vous êtes intéressés et tout. C'est vraiment intéressant. Ça fait très, très plaisir.
Comme je vous ai dit, j'aurai un live le lundi. Le lundi où on va parler et je vais vous donner beaucoup plus de détails sur les différents pays et tout qui sont sur l'affiche. Tata Thames, et pour le Congo, c'est en avril. C'est en avril, oh, Tata Thames, ne vous fâchez pas, oh. Le Congo et puis la Guinée et ainsi que le Togo aussi. Le Togo. En tout cas, ça va chauffer. De toute façon, le Congo m'attend même. Le Congo seulement là. Non, vraiment. Vous êtes vraiment mobilisés. Vous m'attendez même. Ça seulement là, je vois ça, je vois les messages et tout, tout ça. Kimi, maman Golman sera au Bénin. Ah bon? Ah, ça fait plaisir. Merci aussi à toutes les tatas. Kimi, n'oublie pas. Maman Maman Wisdom. Le Japon comment? Maman Wisdom. Maman Wisdom est tuée. Non. Le Japon comment? Maman Wisdom. Oui, Tata Maïstim, le Togo. Oui, j'arrive au Togo. Je vais venir au Togo. Même le Togo, même avant ma vente privée, je serai au Togo. Je serai au Togo et tout. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans au Togo. Beaucoup d'abonnés. Moi, j'aime pas trop dire fans. Beaucoup d'abonnés au Togo et tout. Vraiment, on va se voir beaucoup, beaucoup de mamans. Surtout les papas là. Les papas là, même là. Vraiment. Je vais venir au Togo avant ma vente privée. Je vais venir. Cette année, Inch'Allah. Je vais venir au Togo. Je vais venir au Togo cette année. C'est qui est en train de tout casser là-bas, là? Donc voilà. Merci, Tata Maesti. Merci beaucoup. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je vais aller travailler un peu. Parce que bon, on est en train de travailler fort sur les trucs de maquillage là. Ça me prend trop les vêtements aussi, tout ça. C'est épuisant d'être. Non. C'est trop épuisant. L'entrepreneuriat, c'est fatigant. J'en peux plus. Donc la famille, je vous laisse. Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas de prier avant de dormir. Oh. Bisous et à demain. Bisous, Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Vous allez, Seigneur. Oh. Bon retour à nos abonnés d'abord, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous le nouveau venu. Seigneur, j'étais trop excitée de cette bonne nouvelle pour les tatas du Bénin. Tata, les histoires des volontés. Hein? Ça, c'est votre nom que vous avez écrit pour votre chaîne, non? J'ai fait dédicace à votre chaîne, les histoires des volontés. Allez regarder les vidéos. Allez vous abonner là-bas. C'est notre Tata du Bénin qui aime tellement notre Queen. Eh, Seigneur, Seigneur. Ah, voyez, le Bénin là. Hein? C'est là même. Beaucoup de gens pensent que non, qu'il y a un problème avec le béninois et tout, et tout, et tout. Si vous pensez comme ça, hein, vous savez que vous pouvez, je vous donne même 90%, 80%, vous êtes haineux. Oui, c'est moi qui vous dis. Vous êtes haineux. Qu'il n'a pas un problème. Voyez là où il va commencer maintenant. Au Bénin. Au Bénin. Alors, les tatas de Bénin, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour Kim? Êtes-vous prêts? Alors, on sait que vous l'aimez beaucoup. Nous aussi, on vous aime beaucoup. Partageons cet amour. Montrons-nous et aimons-nous les uns les autres. Ça ne veut pas dire que non, si moi j'ai eu quelque chose ou bien on a eu un argument avec une personne, peut-être avec. Disons, je donne un exemple avec un Congolais. Alors, tous les Congolais, ça devient mauvais. Non. Dans la vie, c'est toujours comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde.
On ne peut pas plaire à tout le monde. Oh. On ne peut pas être là. Et puis, deux fois, on peut être là, mais deux fois aussi, on s'attend plus et tout, c'est fini. Et puis, chacun prend son chemin, c'est tout. On continue, la vie continue. Si moi, je me suis chamaillée avec votre soeur, ça ne veut pas dire que toute votre famille, là, ce sont mes ennemis ou bien moi, je suis ennemie à toute la famille. Non! La personne est la personne. Hein? Alors, on espère qu'il va bien arriver. Et elle va pas annuler. Elle n'a pas, jusque-là, elle n'a pas encore annulé. Parce qu'il y avait eu des commentaires dans notre vidéo de Kim qui vient de... C'était quoi même le titre là? Ah, j'ai oublié. Oh. Ah, j'ai oublié. Mais c'est nos vidéos, je pense, précédentes, nos vidéos précédentes de Kim là où il y avait le gars qui menaçait Kim. Il a dit, si Kim arrive au Burkina Faso, il va violer la fille. Hein? Il va même la tuer et tout et tout et tout et tout. Dans la vidéo là, il y avait une personne qui avait commenté. J'ai aimé beaucoup le commentaire, mais moi je n'ai pas, on dit quoi, power, pouvoir, voilà. Moi j'ai pas de pouvoir pour arrêter ça. Mais la personne a dit que c'est mieux que Kim, cancel quoi, qu'elle même enlève tous les pays, qu'elle ne fait même plus ses tours ici, voyez, par sécurité, parce que il y a des de quoi? Le gars là qui a parlé là, il est de quel pays? On a dit même ce n'est même pas du Burkina Faso. Mais si on dit, comme on a dit dans la vidéo là, c'est le nom Burkina Faso qui est sorti. Vous voyez? Peut-être le gars aussi a voulu s'allier avec les Burkinabés. Vous voyez aussi cette histoire comme ça. La personne a dit, il faut que Kim même ne part, ne fait plus ses tours ici parce que c'est risquant pour elle. Car il y a les Burkinabés au Bénin, il y en a, au Mali, il y en a, Sénégal, il y en a. Vous voyez? Donc, c'était un peu raisonnable, hein? C'était un peu raisonnable, mais on prie que tout se passe bien. On prie que tout là se passe, very nice, vous voyez. On laisse notre queen entrer le main de Dieu, comme ça, tout va bien se passer. Parce que ça sera pas aussi très joli, très gentil aussi de tout canceller, vous voyez. Ça sera pas beau. Parce que les gens sont excités, les gens attendent déjà. Il y a même des pays là où elle va partir l'année prochaine, mais les gens sont trop excités, comme les Congolais. Ils sont là trop excités déjà. Mais c'est l'année prochaine, en avril. Mais ils sont déjà trop excités de recevoir Kim Makoso au Congo, vous voyez. Donc, les gens sont déjà à la hauteur. Ça ne va pas faire trop bien. Bon, c'est mon avis que je donne. C'est mon avis que je donne. La personne aussi a donné l'avis que j'ai vu, que voilà. Ça allait aussi être une bonne move, vous voyez. Donc, ce n'est que ça qu'on avait partagé avec vous à ces moments. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs. Guetteurs, là, une année, vous êtes ici à nous guetter. C'est Dieu qui vous voit. Ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui vous voit. Vous êtes ici à nous jeter les pierres jour et nuit, c'est pas un problème. Alors, les nouveaux venus, faut pas suivre les rangs des guetteurs, hein. Ne suivez pas les rangs. Ce sont les gens les plus méchants de la terre. Alors, ne les suivez pas, s'il vous plaît. Oh. Faites-vous abonner chez Léostress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. On n'insulte pas. Malgré tous les guetteurs, là, surtout mon français, façon, il m'insulte pour mon français, là. Seigneur, épargne-moi. Alors, ne soyez pas comme les guetteurs. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye-bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.